Yevgenia de Suomi TV. Le traîneau du Père Noël a été volé, vous le savez, c'est une catastrophe. Pas de traîneau, pas de cadeau, a dit le Père Noël, donc il est très très important que quelqu'un retrouve le traîneau. Alors en attendant, Madame Noël, elle est venue ici à l'assurance parce que le traîneau est assuré chez Swiss Life. Je suis donc à l'assurance Swiss Life, le cabinet d'Elpierre où le traîneau du Père Noël est assuré. Je vais m'en assurer auprès justement de Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Première question, est-ce qu'effectivement le traîneau du Père Noël, il est bien assuré? Oui, le traîneau du Père Noël est bien assuré, et pas de problème. Donc comment ça se passe? Est-ce que Madame Noël t'a apporté des papiers? Comment ça s'est passé? Elle a apporté des papiers, je ne peux pas trop en dire, hein, c'est quand même confidentiel. Hier, le traîneau du Père Noël a été volé juste devant l'église Saint-Nicolas, entre 18h et 18h30, je pense. Il y a eu un dépôt de plainte. D'accord. Et elle est venue nous expliquer effectivement le problème. Donc j'ai pris les éléments nécessaires et on est en train de régler justement cela. Qu'est-ce qui se passe quand un véhicule disparaît avec Swiss Life? Comment tu assures la catastrophe? On va forcément envoyer les documents. Si dans un mois, on n'a pas retrouvé le véhicule, eh bien, on est obligé d'indemniser l'assuré, donc le Père Noël. Ouh, mais tu sais, le traîneau du Père Noël, c'est une valeur inestimable. Oui, mais c'est notre boulot. Et notre rôle, c'est de bien assurer les véhicules. Donc, il sera entièrement indemnisé, bien sûr, avec la valeur vénale, mais on l'assurera complètement. Bon, alors, le traîneau du Père Noël, il est assuré, ça c'est un premier point. Mais bien sûr, pas de traîneau, pas de cadeau. Comment ça va se passer pour Madame Noël à donner des informations là-dessus? Oui, mais ça, on ne peut pas, les cadeaux, a priori, d'après ce que j'ai compris, mais je ne peux pas trop en dire, n'étaient pas dans le traîneau, donc c'est déjà rassurant pour les enfants. Donc voilà, le véhicule, si on ne le retrouve pas... Monsieur Noël ne pourra pas faire la distribution. On peut lui prêter un véhicule, mais je pense pas que ça soit la même chose. Ça n'ira jamais assez vite, c'est forcé. Ah oui, je pense, hein. On fera ce qu'on peut. Mais... Donc c'est une catastrophe. Comment vous avez trouvé Madame Noël? Triste, hein, triste. Une femme désespérée, parce que c'est quand même catastrophique, justement, à la veille de Noël. Quoi. C'est dingue. Ça devait être une belle semaine de vacances, et là c'est une catastrophe. Bon, déjà nous on joue notre rôle d'assureur, donc on va faire le maximum pour que au moins on puisse... prendre l'engagement financier. Merci beaucoup. Bon, les petits amis, on est un tout petit peu rassurés. Le traîneau est assuré. Madame Noël a fait tous les papiers nécessaires. Et Thierry nous assure que quoi qu'il arrive, la Santa's Company va pouvoir perpétrer sa tradition. Alors, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines informations. C'était Yevgenia de Suomi TV. Et vous le savez, Suomi TV, c'est les yeux et les oreilles de la Finlande.